Et voilà, on est en onde. Salut mon beau Ghislain, comment tu vas? Je vais super bien, Chantal. Merci beaucoup. Et toi? Oui. Je fais comme une hésitation. Je dis oui. Oui, dans les Ouais. circonstances. Non, moi je vais très bien. Moi je vais très bien. Je dirais que certaines circonstances me font réagir, mais moi je vais très bien. Génial. Là, on est, écoute, ambassadeur intervenant dans le septième ciel. Tu reviens avec nous pour une quatrième fois, en fait, une quatrième cohorte. Tu es là depuis le début. Tu es de nos chouchous. Les gens me parlent beaucoup de toi. Puis même, tu as eu des témoignages. Hein? Je te l'ai Ouais. envoyé. On a des témoignages qui s'adressaient carrément à toi parce que tu as une particularité, tu es dans la communication bienveillante et tu l'habites d'une façon. Moi, j'aime assez ça, là. Parce que, comment je dirais ça? Quand tu interviens, et tu vas te présenter, je vais te laisser de l'espace, là, mais j'ai besoin de dire comment je me sens, tu sais, face à toi, face à ce que tu fais, à tout ce que je t'ai vu accomplir jusqu'à présent. Tu sais, parce que tu es un gars qui s'implique, tu es un gars de cœur, tu es un gars qui regarde pas ce qu'il donne, qui calcule pas. Tu sais, tu as le cœur ouvert large de même, puis ça transparaît dans. Tu sais, tu as de l'intérêt envers les étudiants à ce que leur donner de la qualité, tu sais, qu'il y ait mieux, être présent, être là pour eux autres. Puis je l'ai observé tellement de fois à travers le septième ciel, à travers tes interventions, les gens, tu sais, les commentaires, là. Je te dirais, je pense, celui que j'ai le plus de commentaires de la part des élèves à dire, ah, tu sais, et que ça m'a donc fait du bien, et que ça m'a donné des outils pour changer ma vie. Parce qu'on pense qu'on parle, mais pas toujours vrai. Hein? On fait du bruit, on fait du bruit, la bouche. On fait du bruit, mais savoir communiquer, c'est vraiment tout un art. Je vais te laisser présenter, te dire qui t'es, Ghislain Lévesque, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ta passion, pourquoi tu es encore avec nous autres comme intervenant dans le septième ciel, hein? Puis là, ambassadeur. Ben oui, en fait, la quatrième fois, c'est parce que je n'ai pas encore compris, fait que je refais la démarche. Ça doit être ça! mais en fait, je dis ça à la blague, mais il y a une partie de moi qui a une profonde conviction sur l'importance de faire ses gammes. Je compare parfois l'apprentissage de la communication à quand je regardais mon frère ou quand je pense à mon frère Eric, qui est un homme que j'apprécie énormément. C'est un guitariste et il a passé des heures et des heures et des heures à refaire ses gammes. Moi, cette passion-là, je ne l'ai pas pour la guitare, je l'ai pour la communication bienveillante. Puis, ceux qui me connaissent depuis l'âge de 15, 16, 17, 18 ans, ils savent à quel point je n'étais pas un communicateur bienveillant. Je savais pas communiquer, je m'enfermais dans mon huître, je boudais, je grognais, je faisais des trous dans les murs. Quand j'étais en position d'autorité, j'en abusais dans le sens que, tu sais, j'étais plus ma façon de faire ou ben, coudonc, sinon, scram, comme on dit en mauvais québécois. Fait que c'est ça. Donc, la communication bienveillante, c'est venu prendre une place spéciale pour moi. Puis, pourquoi dans ton parcours, Chantal, ben la relation amoureuse, c'est un espace qui est extrêmement, je dirais, noble, mais sacré aussi pour moi. J'ai accompagné beaucoup de couples, de célibataires en recherche de clarification de leur projet amoureux dans les derniers 2, 3, 4 ans. Puis là aussi, moi, j'ai eu à faire mes gammes parce que mais je suis passé à travers 3 divorces. Tu sais, puis pendant longtemps, je me suis demandé comment est-ce qu'un gars qui s'est marié et divorcé 3 fois, comment est-ce qu'il pourrait arriver à dire, ben, je vais accompagner quelqu'un pour être un meilleur communicateur ou en tout cas avoir une relation amoureuse plus nourrissante. Puis à un moment donné, en cours de route, je me suis rendu compte que c'est ce qui faisait justement
mon unicité, c'est que j'avais marché la route. Je m'étais amoché les genoux, les mains, le nez au passage dans Garnotte. Parce qu'on n'est plus. Oui, c'est ça. Puis en même temps, ça m'a permis de prendre contact avec une partie de moi que j'assume de plus en plus maintenant, qui est ma vulnérabilité, qui est mon authenticité, qui est ma capacité à dire j'ai échoué, mais j'ai appris. Je sais pas. Et en communication bienveillante dans la relation à l'autre, cette dimension-là, elle est tellement importante. Et moi, j'ai envie de pas juste en parler, mais j'ai surtout envie de l'incarner, de montrer le chemin sans prétention. Et c'est ce que je souhaite apporter au programme que tu Ça, c'est animes. quelque chose qui transparaît beaucoup chez toi. Tu parlais de ton parcours, mais moi, ce que je connais de toi, puis je trouve que c'est vraiment ce qui te caractérise tellement le plus, c'est vraiment cette vulnérabilité-là. Mais c'est pas vulnérable dans le sens que je suis fragile, je suis démolissable, je suis atteignable, je suis influençable. Tu sais, c'est pas cette vulnérabilité-là. C'est au contraire, c'est la plus grande force qu'un être humain peut avoir, c'est son humilité à toucher à justement à cette partie-là de lui pour l'entendre, pour l'écouter et lui faire de la place. T'sais. Puis ça l'a permis plusieurs fois dans le septième ciel à plusieurs personnes, les hommes même en particulier, à pouvoir aller toucher à cet espace-là chez eux parce que nos hommes, malheureusement, t'sais, on les a élevés à t'es un homme, tiens-toi debout, relève-toi, arrête de broyer, t'es pas une fille. Ils n'ont pas eu le droit à vivre ça, ces émotions-là. T'sais. On les a classées dans un classeur de tof, puis ah ouais, t'sais, puis sois plus fort que ça, il faut que tu sois fort. Puis toi, mais tu t'arrives avec ton assurance, en fait, une position de fermeté, dans le sens que tu as un bon cheminement, en fait, de connaissance de toi, et tu arrives avec cette vulnérabilité-là à aller toucher à tes émotions, tu sais, puis ça vient chercher beaucoup les hommes. Puis ça, je trouve ça fantastique parce que c'est difficile de casser cette carapace-là. Tu sais, quand ça fait des années que tu as mis les couches d'épaisseur pour pas justement sentir, ressentir ces émotions-là qui ont dérangé, là, il faut dire, ben, il faut aller voir ce qui est caché là. C'est que, ben, il n'y a rien, c'est du vide, tu sais. On le sent même plus, on le ressent même plus. Puis toi, t'as le don, tu sais, de comme d'ouvrir les cages, on va aller chercher ça. Parce que tu permets, toi, de le faire. T'sais. Fait que ça aide l'autre à le faire. Puis on l'a vu plusieurs fois. Puis ça, moi, je vais te reconnaître là-dedans parce que c'est fantastique de voir ça opérer. C'est fantastique de voir comment est-ce que, tu sais, ça permet enfin à nos hommes, tu sais, de pouvoir aller toucher puis ressentir. En tout cas, moi, je fais des courbettes, là. Merci. Super, super contente que tu fasses partie du septième ciel et que tu puisses offrir cette qualité-là. Puis en fait, de communication, tu sais, c'est tellement essentiel. Tellement essentiel. En fait, mon parcours a été teinté par plusieurs approches. J'ai fait un peu de PNL. J'ai fait plus d'interventions stratégiques, puis après ça, de la communication non violente. Je ne me souviens pas où est-ce que j'ai pris ça. Je pense que c'est en PNL, mais ça disait, on ne peut pas ne pas communiquer. C'est impossible de ne pas communiquer. Puis quand on parle de cette prémisse-là, on réalise qu'il y a plusieurs réflexes qu'on a de se refermer, de se taire, de se rigidifier. Il y a plein de choses qu'on fait qui communiquent au-delà des mots. Et je dis souvent, ce que tu dis pas et parle si fort que j'entends même pas ce que tu dis. Pour moi, c'est ça, la communication bienveillante, c'est l'art d'aider l'autre à mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Et à partir de là, on est dans un espace qui est beaucoup plus vrai, authentique, mais qui est surtout bienveillant.
Et si tu le fais avec humour aussi, tu sais. Ouais. Tu le fais avec humour parce que c'est vraiment drôle. Des fois, on rit. Puis, tu sais, il faut dédramatiser, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas dans un procès, ça, là. On est juste à s'observer, tu sais. On n'est pas à faire bang, bang. Ah, c'est imbécile, tu sais, t'as pas encore compris, c'est quoi ta part là? Ouais. Puis, la douceur, la bienveillance. Tout à fait. Oui, oui. Puis, tu sais, se désidentifier à ce juge intérieur qui nous raconte constamment qu'on est correct ou qu'on n'est pas correct. Mmh. Moi, j'aime rappeler qu'il n'y a rien de bien ou mal, c'est juste une question de posture. Alors oui, c'est cette énergie-là que j'apporte dans la cohorte. Puis, j'ai toujours un grand plaisir à partager avec les participants. Et j'apprends à leur contact autant que c'est réciproque, cette histoire-là, c'est le point. Les meilleurs enseignants sont les meilleurs élèves. Je le redis, c'est vrai, c'est ça. Puis je suis fière de ma gang, je suis fière de ce groupe-là. Tu sais, je trouve qu'il y a tellement là, des gens de cœur. Puis la cour qui s'en vient, moi, en tout cas, je le sens, j'ai le goût, là, j'ai hâte, là, ça me démange. Là, tu sais. Je dis, ouais. Colin, c'est juste lundi. Mais c'est ça, il reste plus grand temps, c'est juste lundi. C'est lundi déjà, ça s'en vient assez vite. Puis ça passe tellement vite. Cette semaine, mon tout, là, ça décolle, puis à un moment donné, on ne voit pas le temps passer tellement que ça a été vite. Mais c'est puissant. C'est puissant. C'est très, très, très intéressant comme démarche. Puis là, tu as décidé, là, cette année, ben, de toute façon, je t'ai demandé si tu voulais devenir ambassadeur parce que, t'es intervenant, tu as une approche qui est vraiment hyper intéressante. Et cette année, j'ai décidé. Que le septième ciel, ça passerait d'abord et avant tout par des ambassadeurs. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste t'inscrire au septième ciel, il faut que tu fasses partie d'une équipe. Et ça, moi, je trouve que l'idée est tellement géniale. Tu sais, ça m'a été inspirée. Je dis ça, c'est pour moi que cette idée-là, ça a comme tombé. T'sais. Je fais, ah, oh, ben oui, c'est bon ça, tu sais. Puis, de faire partie d'une équipe, parce que, tu sais, quand on fait une formation, qu'est-ce qui fait souvent qu'on va se retirer, qu'on participera moins, qu'on va moins s'investir? Tu sais, la peur de déranger, on s'exclut, on se rejette facilement, tu sais, fait qu'on va reculer. Fait que là, il y a tellement de possibilités d'être accompagné. Tu sais, c'est un par ton ambassadeur, deux par ton chum ou ta chum, ou en tout cas la personne que tu as décidé qui va t'accompagner dans cette aventure-là, de moi. Tu as les intervenants, tu as le groupe, tu peux plus être seul. Là, là, si tu veux te rejeter, là, c'est parce que tu te rejettes pas à peu près. Là, fait que ça donne, en tout cas, la possibilité de pouvoir travailler plusieurs axes. Puis, en tant que professionnel, vous avez tous chacun votre particularité, vous avez tous quelque chose à apporter de différent. Puis, chaque personne porte, à quelque part, son besoin. T'sais. Toi, de ton côté, c'est principalement la communication, tu sais, la communication bienveillante, apprendre à être capable à toucher justement à cette vulnérabilité-là, à savoir le communiquer, le dire, le verbaliser, le parler. Tu sais, fait que c'est les gens sentent là, tu sais, que c'est ça qui est leur faiblesse, qui a besoin d'apprendre. Ben, Colin, tu es dans la bonne équipe avec Ghislain. Tu sais, c'est me semble là, que. Fait que c'est pour ça qu'il y a plusieurs professionnels différents, il y a plusieurs ambassadeurs. Ils ont tous, chacun, dépendant de ce que les personnes vont porter, vivre. Moi, c'est là qu'est ma carence. C'est là que j'ai le plus de misère. Bien, choisis le bon ambassadeur pour toi. Là, c'est un peu ça l'idée aussi, à quelque part. Fait que tu as dit oui, même si, écoute, ça te fait beaucoup de choses. Puis tu nous offres un méga cadeau à travers ça. Je vais te le dire. Ouais, bien, en fait, ce que j'ai pensé faire, c'est souvent le challenge quand on est en relation ou quand on a envie d'avoir des relations qui sont nourrissantes, notre challenge, c'est avoir des échanges qui vont nous permettre de parler des vraies choses. Dans les interventions que j'ai faites avec les couples ou même avec les individus, je ne compte plus le nombre de fois où la solution était tellement simple. Mais le couple, la personne, puis ça m'arrive moi-même, hein, je me fais coacher, je vais voir des thérapeutes, etc. Parce qu'à un moment donné, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et moi, ce que j'ai envie d'offrir, c'est un accompagnement personnalisé de 6 heures que j'offre
au couple, à la dyade, si jamais c'est deux amis de gars ou de filles, un gars, une fille, mais ils ne sont pas en couple, mais c'est des amis, ils pourront utiliser ces 6 heures-là à 3 heures chaque, se séparer ça comme ils veulent. Mais moi, ce que j'offre, c'est un accompagnement 6 fois 1 heure qu'on pourra organiser dans le temps en utilisant, bien sûr, les outils technologiques. Donc, peu importe où les gens sont, on pourra se trouver un moment puis passer ce temps-là ensemble. S'en servir pour adresser des situations de couple, s'en servir pour clarifier des choses, s'en servir pour être coaché, pour apprendre davantage sur la communication bienveillante. Bref, ça sera aux participants de choisir comment ils veulent ça. Comme ils veulent, oui. Je ne sais pas si ça coupe sur ton bord. Ta photo vient d'apparaître. Oui. Donne-moi une seconde parce que... Ça m'a quand même surpris. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que à travers le septième ciel, tu fais plusieurs interventions. C'est des interventions de groupe. On est plusieurs là à être accompagnés et chacun est libre de parler ou de ne pas parler et d'avancer avec ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ses questions, ses difficultés. Puis c'est toujours comme ça que ça commence. Libre à chacun. Mais une fois que ça s'est éveillé puis que la force du groupe a opéré, après ça, c'est tu fais « Oh my God, oui, moi, je vis ça, là, vraiment, tu sais, mais comment je fais? » Puis, tu sais, je me sens un peu dépourvu puis j'ai besoin de plus d'assistance. T'offres en plus personnalisé, individuel, 6 rencontres que vont pouvoir décider de répartir à leur choix. Oui. Les joies du travail à la maison, hein, ça cogne à ma porte. Ça cogne à ta porte. Mais écoute, je vais en profiter pour expliquer comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi. Merci. Il y a deux façons, si vous voulez faire partie de l'équipe à Ghislain, il y a deux façons. Comme je l'ai dit à tout le monde, c'est la même chose pour Ghislain. Si vous avez des questions, vous dites « Moi, je veux absolument faire partie de l'équipe à Ghislain », vous lui écrivez en privé sur Messenger, cliquez sur son nom, là, vous allez voir Messenger, vous lui écrivez. Vous dites « Moi, je veux faire partie de ton équipe », il va vous envoyer le lien et vous cliquez sur ce lien-là, vous allez vous inscrire, vous allez être dans son équipe. Sinon, il y a une deuxième façon, je vais mettre le lien au-dessus, en dessous de la vidéo, là, dépendamment si c'est sur YouTube ou sur Facebook, là, c'est au-dessus ou en dessous. Je vais mettre le lien là. Vous avez juste à cliquer dessus, ça vous amène à la 4e vidéo. Si vous n'avez pas vu la série de vidéos, c'est le temps de les regarder avec la 4e. Ils sont toutes là, 1, 2, 3, plus la 4e. En dessous, vous avez le gros bouton « Joindre le 7e ciel ». En cliquant dessus, vous avez accès aux 12 ambassadeurs. Vous regardez la première image, c'est Ghislain. Vous cliquez sur sa photo et vous allez vous inscrire, vous allez être dans son équipe. Fait que d'une façon ou d'une autre, ça vous amène à la même place. Au même endroit, fait que vous avez deux façons de le faire. T'avais-tu quelque chose que tu voulais ajouter? Non, pas du tout. Écoute, j'ai hâte, on commence. Moi, j'ai ma première intervention avec vous autres, je pense, mardi soir prochain, de mémoire. C'est l'horaire, là, mais moi, je commence lundi matin. Oui, je pense que oui. Moi, je commence lundi matin, la bienvenue et tout ça, le fonctionnement, les repères et toute la patente, là. Et puis, je pense que oui, c'est toi qui pars le bal après ça, si je ne me trompe pas. Alors, on aura beaucoup de plaisir et assurément beaucoup d'échanges. Énorme, oui. Dans l'authenticité. Et j'aime bien, pour terminer, autant m'installer dans la peau de la femme qui reçoit le message de l'homme que dans l'homme qui reçoit le message de la femme. J'aime bien jouer ce jeu-là à travers nos échanges et ça nous amène à des endroits vraiment magnifiques. Fait que je pense qu'on a encore beaucoup de plaisir devant nous. Ah, c'est clair. C'est clair. Moi, en tout cas, là, j'ai hâte, là, vraiment. Ah oui, ça s'en vient, il reste 2 jours. Là. C'est encore le temps des inscriptions. Fait qu'on vous attend. C'est encore le temps de faire partie de la game. Fait que je vous mets le lien dans pas grand temps. Aussitôt que je finis d'enregistrer ça, je mets ça en ligne. Je vous mets le lien directement dessus. Super. Et on vous attend! C'est un rendez-vous. Je t'embrasse, Ghislain. Je t'adore. Génial. Bonne fin de journée. Bye bye. Bonjour bye bye à tout le monde. Ciao.